C'est un étrange périmètre, peuplé d'humains de taille 1 mètre, qui ont leurs lois et leurs coutumes, et de jolis petits costumes. C'est un endroit peuplé de rêves, aux allures de grands aquariums. C'est là que les émotions s'élèvent, dans un gentil capharnaüm. On y rit, on y pleure, y a des drames et des bonheurs. On s'y essaie en jouant, avant de les voir en grand. Les envies et les peurs, ces graines donneront des fleurs qui vont éclore en poussant dans notre jardin d'enfants. De temps à autre, ils sont bien sages, certains cigales, d'autres fourmis. La vie est un grand bricolage avant de rejoindre le grand fourbi. Regardez cette étrange bestiaire, cette nuée de petits loups qui, après un passage au vestiaire, se ménage entre chèvres et choux. On y rit, on y pleure, y a des drames et des bonheurs. On s'y essaie en jouant, avant de les voir en grand. Les envies et les peurs, ces graines donneront des fleurs qui vont éclore en poussant dans notre jardin d'enfants. On y rit, on y pleure, y a des drames et des bonheurs. On s'y essaie en jouant, avant de les voir en grand. Les envies et les peurs, ces graines donneront des fleurs qui vont éclore en poussant dans notre jardin d'enfants. Eliana, Nathan, Émeric et Lucinda, Roberto, Abel, Maya, Ilias, Pauline, Hugo, Matisse, Elena, Morgan, Yasmine et Siska. On y rit, on y pleure, y a des drames et des bonheurs. On s'y essaie en jouant, avant de les voir en grand. Les envies et les peurs, ces graines donneront des fleurs qui vont éclore en poussant dans notre jardin d'enfants. C'est un étrange périmètre, peuplé d'humains de taille 1 mètre,